Bonjour, bienvenue sur Lost TV pour la 14e édition de la fête de voisins. Mais pour vous, je crois que c'est la deuxième année. Exactement, c'est la deuxième année que nous faisons la fête des voisins. 51, enfin rue Paul Vaillant-Couturier, la deuxième année. J'espère que ça continuera encore longtemps comme ça. Faut espérer que ça continuera. On a pensé lancer ça de concert avec le voisin, avec l'ami Victor. Faut espérer maintenant que dans le temps ça continuera. Et vous espérez à peu près combien de personnes aujourd'hui ? Là, on est un peu plus d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui. On est un peu comme l'année passée, à peu près au même nombre. Bon, on espère peut-être quelques personnes qui sont pas venues. Donc au maximum, on pourrait être 70, quoi, avec les entourages. Mais quelques personnes ne peuvent pas venir. Et sinon, vous avez eu un meilleur voisinage après ces deux années ? Tout à fait, un meilleur dialogue déjà. Un grand signe bonjour, de la tête, de la main. Si. Ouais. Fédérateur, ça rassemble quand même un peu les gens et ça permet de discuter avec des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps ou qu'on n'a pas l'occasion de croiser. Et ça permet de discuter, c'est sûr que c'est sympathique. Donc, aux festivités, vous avez quoi de prévu ce soir ? Un petit barbecue, saucisse, merguez, suivi d'une petite tarte, café, avec un petit apéritif très 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 léger, une bière, un petit rosé, tout simplement. C'est pas l'histoire de boire, c'est l'histoire de se réunir et de dialoguer, et de connaître les gens que nous on ne connaît même pas. Voilà. Donc avoir une meilleure communication entre voisins. Voilà, exactement, tout simplement. C'est ça. Ben je vous remercie beaucoup et bonne fête à tous. Bonjour mesdames, qu'est-ce que vous pensez de la fête des voisins ? C'est une bonne occasion de se connaître. Et pour vous madame ? Ben de se connaître et de se rencontrer parce qu'on ne se voit pas forcément tous les jours, donc on se perd un peu de vue, donc c'est une bonne idée. Donc c'est la première fois ou la deuxième fois que vous participez ? Deuxième fois pour moi. Ouais, et pour vous madame ? C'est la première fois. Première fois. Oui. Ben j'espère que vous allez apprécier. Allez, je vous remercie. Comme c'est appréciable l'année dernière, on revient. Et comme c'est appréciable l'année dernière, on revient. Voilà. Et pour vous, madame ? Ben, je suis très contente de retrouver mes copains d'enfance. Puis de pouvoir parler aux voisins, c'est sympa. Je vous remercie beaucoup. Ben, je trouve que c'est une très belle occasion. Si on pouvait la renouveler deux ou trois fois dans l'année, ça serait encore mieux parce que la proximité, ça manque beaucoup à Los Angeles. Je pense que s'échanger de temps en temps, ça fait énormément de bien à tout le monde. Sortir, entre guillemets, de son petit nid, encore mieux. Et si on pouvait se lâcher un peu plus à Los Angeles, je pense que ça irait beaucoup mieux.